Hello tout le monde, salut Jo, Maximilien, coucou. Coucou Nico. Coucou Lina, Enzo, salut. Marine, coucou. Est-ce que vous êtes chaud? Ça va, pas trop de courbatures, Jo? Par rapport à hier, Max. Salut Stéphane. Coucou Laurence. Salut Lina. Quentin, salut, salut. Merci David, salut. Un petit nouveau ce soir, David et sa petite famille. Salut Cyril. T'es bouillant, Jo. Tant mieux, tant mieux. Monsieur Tebaldini, bonjour. On attend un petit peu, on va commencer à 18h. On attend que tout le monde se connecte. Aujourd'hui, ça va être un programme chargé au niveau des cuisses, abdos et gainage. Salut Chloé. Donc, on est toujours en direct sur Instagram, Romain coach sportif, et sur la page pro Facebook, Sport-toi bien, espace forme. Coucou tout le monde. Monsieur Quignette, coucou. Eddy. Il est là, le gros Eddy. Ça va, Eddy Franchet? Coucou, Guimour. Ah, salut, Jules. Jules Huet, comment tu vas, mon pote? Salut, Rico. On va attaquer d'ici 2 minutes. Salut, Brian. Coucou, Anna. Allez. Ayat, salut. Coucou Dorian. J'essaie de saluer tout le monde. Donc aujourd'hui, on a juste besoin de ces baskets. Ou alors, vous pouvez faire ça pieds nus ou en chaussettes. Le petit tapis, la petite serviette, la bouteille d'eau. Et on va partir pour une demi-heure, trois quarts d'heure de plaisir. Coucou Steph. Ah, ça monte, ça monte, ça monte. Salut Claude. Il nous manque la famille de Quacon là. Mickaël, coucou Aurélie. La baronne, comment tu vas? Allez, ça monte, ça monte. C'est bien, c'est bien. Bonjour Océane, sur Insta. Il se rase la tête? Non, je pense qu'il ne le fera pas, Maximilien. Ok. Ça va nickel, merci. Allez, 18h, on va attaquer la séance d'aujourd'hui. Donc hier, on a fait une très très bonne séance. Hier, on a travaillé... Le groupe des garçons, on a travaillé essentiellement les bras, biceps, les épaules, deltoïdes, les trapèzes et un peu les triceps aussi. On a fait un peu d'abdos, mais on n'a pas fait de gainage. Aujourd'hui, donc, le thème, ça va être vraiment essentiellement sur les cuisses, abdos, gainage, d'accord, mais beaucoup plus sur les cuisses. Donc, on va faire un échauffement basique. On va faire un tiers de squat. Donc je vous ferai voir en dynamique, on fera des tout petits mouvements pour chauffer. Ensuite, on fera mollet, travail de mollet, on relèvera les talons 20 fois. Montée de genoux, on en fera 20. Et un déroulement de pied. On va marcher dans la pièce et on va écraser le sol avec le talon, la plante et la pointe. Donc ça, on va faire ça un petit tour, ça va être l'échauffement. Ensuite, le circuit training, voilà, il va être composé de deux circuits aujourd'hui. Un circuit de 8 minutes. On va faire 8 exercices, on va le répéter 2 fois. Donc on fera demi-squat, jumping jack, gainage aux avant-bras, gainage avant-bras dynamique, fente avant-droit, fente avant-gauche, abdos rameur, c'est une crunch, et on recommencera. Une fois que les 8 minutes seront terminées, on prendra 1 minute ou 2 de pause pour
pour que je puisse vous faire voir le deuxième circuit. Squat complet, donc on descendra tout en bas. On fera un gainage latéral côté gauche dynamique, un squat jump, bah des squat jump, gainage latéral droit en dynamique, squat jump alterné, on l'a fait avant-hier dans le circuit, crunch complet, on remontera complètement, fente sautée, demi-cycling crunch, et on recommencera. Et on finira par un petit circuit surprise de 4 minutes. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Donc toujours Florence pour m'accompagner et Léane à la vidéo. Lélé, allez, t'hésites pas à nous dire les remarques des clients. On y va, c'est la 8e séance. On continue. On est mercredi 25 mars. N'oubliez pas de liker la page Insta Romain-du-bas coach-du-bas sportif. La chaîne YouTube, Sport-toi bien, espace fort. D'accord, allez liker, on est qu'à 100. Il nous faut 1000 abonnés pour que ça soit une page pro. Et puis bah, sinon, continuez à nous suivre. Le soir à 18h, vous êtes tous fidèles. Écoutez, on y va, c'est parti. On attend la petite Florence et on va attaquer. Salut tout le monde. Allez, premier exercice, on va faire tiers de squat. Tiers de squat, donc un demi-squat, c'est 90 degrés. Un squat complet, on descend tout en bas. Tiers de squat, on va juste descendre ici. Vous allez mettre les mains au niveau des hanches. Vous allez juste faire ça et on ne va pas remonter complètement. On va juste faire des petits mouvements dynamiques comme ceci. On va en faire 10. Comme hier, je donne le décompte. Et on s'arrête quand je dis 10. Ok? Allez, 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Mollet. On va juste relever les talons. On monte et on descend 20 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça doit commencer à chauffer. Montée de genoux. Donc juste ici, hein, des montées de genoux. On va en faire 20. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On récupère. Et on va dérouler le pied. Talon, plan de pointe. Vous marchez. Allez. On relâche les épaules. Ok, on va attaquer. Donc, il vous faut un petit peu d'espace. On va se mettre plus comme ça. Mets-toi comme ça, toi. Comme ça, on a de l'espace pour moi. C'est bon? Oui. Premier exercice. On va partir pour des demi-squats. Donc on va mettre la musique Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Donc demi-squat, on descend et on remonte. Ok? Donc à chaque fois, je vais donner les exercices, on enchaîne, Léa, c'est parti. Une bonne musique un petit peu plus fort et on y va. Premier exercice, demi-squat. C'est parti. On s'est inspiré en descendant et à souffler en montant. Bon, les filles doivent sentir la séance d'hier. Normalement. Ok, super. Deuxième exercice, jumping jack. On déroule les genoux. Et on fait une sorte d'essuie-glace. Top. On commence à le connaître celui-là. On le met dans chaque échauffement. Un travail cardio, un travail de renfort, essentiellement sur les mollets. Ok, on est parti sur le gainage, sur les avant-bras. Donc on fait un en statique. Juste que tu recules toi ton tapis. Voilà. Allez, sur les avant-bras, le dos bien droit, on ne creuse pas, on lève pas les fesses. Et on souffle bien. Ok,
c'est la même chose, on va le faire en dynamique. Vous allez descendre le bassin et remonter. Des petits mouvements. Super. On est parti pour fente avant droit. Donc juste ici. Et on va descendre ici et on revient derrière. Change la jambe. Très bien. On sent les fessiers d'hier. Allez, on inverse. On commence à bien fléchir la jambe derrière. Ok, on est parti pour l'abdo-rameur. Donc, l'abdo-rameur, je refais pas, on lève les fesses, on tend les jambes et les bras en même temps et on relève. Top. Ok, super. C'est clean crunch, donc pédalo. Mon coude droit va chercher la jambe gauche en hauteur tout en pédalant. On alterne. Ok, super. On repart en demi-squat. Deuxième tour. Ça va tout le monde? Ça suit? Premier circuit vraiment simple par rapport au deuxième. Ça va être bien chauffé. Allez! Alors, on inspire en descendant, on souffle en montant. Super. Jumping jack. Essuie-glace. Ou l'étoile de mer plutôt. J'espère qu'il y a, c'était présent. Ok, super. Et là, j'ai un bras. En statique, le premier et le deuxième en dynamique. Vito, facito. Ok, en dynamique, on descend et on monte. 3, 2, 1, go! Super. Fente avant droite. Allez. On continue. Allez, c'est bon, on y va.
Ok, on change de jambe. Allez, let's go. Ok. À deux rameurs au sol. On lève les genoux. On tend les jambes et les bras en même temps. Allez, on met un peu de vitesse. Super, cycling crunch. Le pédalo avec les coudes. Super. Génial. Deuxième circuit. On enchaîne, hein. Pas besoin de trop de récup, hein. On va partir sur... Je laisse boire une petite bouteille d'eau avant. Une bouteille d'eau, non, une gorgée d'eau plutôt. Premier exercice. Squat complet. Donc, les pieds, on ouvre un peu plus qu'un squat normal. Pieds à 10h10. Les mains vers l'avant. Les fesses vers le sol, d'accord. On va descendre, on ne penche pas les épaules vers l'avant. Hein. On essaie de garder le buste le plus droit possible, légèrement penché. Et là, on descend et on remonte pendant 20 secondes. Ensuite, on fera un gainage dynamique latéral. Côté gauche. Donc ici, vous allez monter et descendre au niveau du bassin. 20 secondes. Donc squat complet, gainage latéral côté gauche. Ensuite, squat jump. Donc, squat jump, c'est quoi? C'est un squat avec un saut. Demi-squat, et je saute. Et je les enchaîne. Pendant 20 secondes. C'est très cardio, hein. Ça va brûler les jambes. Donc, troisième exercice, quatrième exercice, le gainage dynamique côté droit sur le côté en dynamique. Cinquième exercice, squat alterné. Squat jump alterné, c'est-à-dire, comme hier, je fais un squat dans l'axe, je vais sur le côté gauche, je reviens dans l'axe, côté droit. Axe, côté gauche. En alternance à chaque fois. Gauche, axe, droite, axe, gauche. Ensuite, sixième exercice, un crunch complet. Donc, pied au sol, les mains derrière la tête, et je relève tout en haut, en diagonale. Ensuite, fin de sauter. Ici, main au niveau des bassins, et vous alternez. Ok ? Valérie Delberg et Chloé Delberg, vous me faites fin de sauter, vous ne faites pas vos fentes à votre façon. Je vous regarde. Eric, tu me prends en vidéo qu'elle ne triche pas les filles, s'il te plaît. Et dernier exercice, demi-cycling crunch. Donc c'est un abdo, les pieds sont au sol. Ouais, une fois à droite, une fois à gauche et on enchaîne. Et on fait deux tours. Ok ? Et ben avec ça. Tout le monde suit ou ça va ? Pas. Si ça va. Ça n'est plus après. Ok, coucou, Zoé, Clément, Greg, ouais. Dégoûté, je l'accroche à l'instant, le téléphone, c'était en décalé pour moi. Antoine Besançon, allez, allez. C'est pas grave, t'inquiète. Coucou tout le monde. Tu vas chauffer avec le... Musique un peu plus forte, s'il vous plaît. Ok, Stéphane, on va mettre ça un petit peu plus fort. Coucou Lisette, coucou CC, ah, Léane l'a déjà fait. Arnaud, salut. Maxime Boulanger, coucou. Allez, oui Vali, je t'entends, mais pas mais, tu fais des fentes sautées, d'accord? Ouh, fait chaud chez nous. Oui, bon. En plus, ma femme a fait de la cuisine. Je crois qu'elle va s'inscrire à Masterchef. Ouais, bon. Elle fait un gâteau yaourt, trop allez, bon. Allez, c'est parti. Sans levure, le gâteau, il est compacté. Il est bon. Il est super sucré. Non, il est bon. Ah! On y va, c'est parti! Trop de pause! Hier, t'as pas voulu de pause, donc aujourd'hui, pas de pause! Ah, mais moi, j'ai hoche là, j'ai super chaud! Allez!
y va. Allez, on y va. Tu nous mets la musique qui booste l'élé. Squat complet, ouverture. 2, 1, go, allez. Ça doit brûler les cuisses. Et un peu le fessier. Super. Deuxième exercice, gainage côté gauche en dynamique latéral. Allez, on les enchaîne. Ok, super. Squat jump. Dans l'axe. N'allez pas trop vite parce que vous allez mourir. On est synchro, mon cœur. Super, gainage latéral côté droit, on change de côté en dynamique. Allez, squat jump alterné. Axe gauche, axe droit. Super. Crunch complet. On relève complètement. Ok, super. Fente sautée. Valérie, fente sautée. Hein. Ok, demi-cycling crunch, que le haut du corps en abdos. Allez, c'est bien. Allez, deuxième tour, squat complet. Aya, c'est pour toi cette chanson, c'est ta chanson. On a le temps de bien descendre, on inspire en soufflant en montant. Ok, super. Gainage latéral, côté gauche. Le bras vient chercher. Viens chercher en dessous de bassin et on relève sur le côté. Go.
Super. Squat, jump. Je répète, squat, jump. 3, 2, 1, go. Pareil, vous pouvez le temps de descendre. Super, ça doit brûler, ça doit vraiment brûler. Hein. Gainage côté droit, en dynamique. Allez les filles, c'est bien. Ok, squat jump, alterné. Un coup dans l'axe gauche droite, etc. Prenez le temps. Ok, super. Crunch complet. Plus que 3. Allez. Fente sauter. Valérie, fente sauter, hein. Triche pas. Ouh. Allez. 3, 2, 1, allez. Donc ça, bien, bien, la musique. Baisse. Laisse un fond et baisse, s'il te plaît. Allez, soufflez, récupérez. Salut Jimmy. Bonjour tout le monde, Mathilde, David. Alex, salut. Simon, il est là. Salut Simon. Nono, salut. Greg, coucou. Comment ça va? Tranquille aujourd'hui, hein? Ça va, Flo? Ça va. Yes, un circuit. Surprise. Circuit surprise, 4 minutes. Alors, pour ceux qui me connaissent, plus ça va aller, plus on va monter dans la difficulté. Donc, le circuit surprise, eh bien, il y aura 4 minutes. On va essayer de les tenir. Premier exercice, ça va être burpees. Burpees, je refais voir. Demi pour les filles. Hop, je vais mettre ça là. Non, il n'y a pas de demi pour les filles, vous faites les burpees, les filles, sans la pompe. Alors, je fais voir pour les gars. Le burpees, c'est une pompe, flexion, extension. Donc, premier exercice, ça va être là. Vous me faites une pompe. Flexion, extension. Femme, Flo, tu viens? Fais voir pour les femmes, s'il te plaît. Oui, femme, pas Florence, femme, femme, pour les femmes. Sans la pompe. Pour amener les jambes. Voilà. Premier exercice. Donc, ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, on va rester sur le burpees. Et on va faire un burpees squat. La même chose, on continue sur les pompes. Pompe,
flexion, squat. Et on les enchaîne. Les filles, la même chose. Sans la pompe, squat, super. Ça, c'est le deuxième. Là, vous allez me dire, oh, ça commence à être dur. Mais justement, c'est là que c'est bon, c'est possible. Troisième exercice, burpees, squat alterné. Donc, on fait toujours la pompe. La flexion, squat dans l'axe et squat à droite. Sur l'autre pompe, je fais squat dans l'axe, squat à gauche. Ça, c'est le troisième exercice. Les filles, pour vous, la même chose, sans la pompe. Voilà. Quatrième exercice, on reste en burpees, mais burpees, fente sautée. Oui, oui, Val, fente sautée, Valérie. Démonstration. On fait une pompe, flexion, fente à droite, fente à gauche. Ok, Florence, démonstration. Faut que je me bouge. Squat normal. Non. Normal, squat. Squat alterné, fente. Ça fait 4. Et on commence. Non, c'est le même. Ok, ça, ça fait. Ouais, si tu veux, Brian. Burpees à terre, appui tendu renversé si tu veux. Ok, donc ça. Ça fait 2 minutes. Donc c'est compliqué. Et les 2 autres minutes, soit je mettrai une pause, ou soit on continuera. On fera la même chose, on ira moins vite, et on fera sans les pompes les garçons, ok? Et les filles, bah, vous ferez comme vous pourrez. Le challenge là, c'est un challenge de tenir les 4 minutes. Ok, c'est un challenge qui est assez dur, parce qu'on a fait des exercices avant, il y a la fatigue des autres jours. Voilà, mais c'est bien de finir sur quelque chose de compliqué. Donc c'est fait exprès que j'ai mis circuit surprise, que je ne l'ai pas mis. Comme ça, ça ne démoralise pas avant. Est-ce que c'est bon? Mets-moi tes spacito, moi, un boost. Allez tranquille, hein, c'est pas un concours de vitesse. Hein. Allez, burpees normal. Let's go tout le monde. Super. Burpees, squat. Attention au carreau, mon père. Arrête, tu vas marcher sur les mains. 3, 2, 1, go. Burpee squat alterné. Burpee squat.
Alors puis squat alterné. Alors puis fort sauter. Non, il n'y a pas le choix, pas. Il n'y a plus le choix. Oui. Bravo. Ça va tout le monde? Là, on a fait monter palpitant le cardio. Hein. Alors, on va passer aux étirements. Excusez-moi, je suis enrhumé. Je pense que tout le monde va avoir mal aux jambes. Allez, on récupère, on s'allonge. Voilà, prenez le temps de souffler un peu. On remplit les poumons d'air. Et on souffle tout doucement. Soit vous pliez les jambes, soit vous les tendez. Au choix, on va faire 2-3 fois. On va relâcher un peu les jambes, les mollets. Vous pliez les jambes, toujours allongées. Vous me les bougez. On relâche. On recommence. On relâche. Ok, super. Alors, il se peut qu'il y en a qui nous fassent des petits malaises. Pourquoi le burpees? On passe rapidement d'un saut à l'horizontale à la verticale. Et au lorient interne, on a un liquide qui peut être un peu perturbé, comme si vous étiez sur un bateau, voilà, que ça tangue un peu. Donc si le malaise, c'est pas très grave, vous allongez sur le dos, vous surélevez vos jambes, vous ne le contrôlez pas, laissez-vous aller. Il va partir aussi vite qu'il est arrivé. Et pour les symptômes, bourdonnement dans l'oreille, oreille qui se bouche, des bâillements, voilà, et des petites fourmis au niveau de la bouche. Donc vous inquiétez pas, nous dans la salle, ça nous arrive souvent. Ok, allez, étirement des adducteurs, position papillon, les mains soit sur les chevilles ou sur les tibias, les coudes sur les genoux et on va les descendre. Progressivement, on maintient une pression, 4 à 5 secondes. On relâche. Et on recommence. On relâche. Et on recommence. Ok, relâchez, jambe droite tendue, la jambe gauche toujours pliée, et on va venir chercher devant, avec le bras opposé ou les deux mains, pour les super sauts. Toujours, on penche les épaules vers la plante de pied, et vous soufflez, vous inspirez avec le nez, vous remplissez vos poumons d'air, et vous soufflez tout doucement, on va redescendre le rythme cardiaque. On change de jambe. Même chose, on inspire.
et on va chercher devant. Super. On plie les jambes comme ceci. On va étirer les quadris. Donc, là, on va étirer le quadri côté droit. D'accord ? Et vous allez descendre votre corps jusqu'à vous allonger sur le tapis. Tout en la jambe qui est sur votre côté droit, vous la descendez le plus bas possible pour étirer tout le quadriceps. Ok, on relâche. Vous remontez, vous faites la même chose. On plie les jambes dans l'autre sens. Voilà. Et on va descendre tranquillement. Super. Ok. Du droit assis. Vous me tendez les jambes. Vous écartez un tout petit peu. Vous allez rentrer les genoux vers l'intérieur et la pointe de pied, comme ceci. Toc. Voilà. Et avec vos bras et votre épaule, vous allez venir devant. On va étirer tous les ischios. Si vous n'êtes pas souple comme moi, voilà, ça donne ça. Et si vous êtes souple comme Florent, ça donne ça. Super. Fessier. On s'allonge sur le dos toujours. Vous allez plier la jambe gauche. La jambe droite, vous allez la basculer comme ça sur le genou. Gauche. Vous allez relever. Vous allez mettre vos mains au niveau du genou là. Et vous allez ramener vers vous. La jambe pour étirer le fessier opposé. On change. La jambe gauche, on la plie, on la met sur le genou droit. On passe les mains en dessous, on relève et on ramène. Super. Étirement des lombaires. Et du fessier encore. On plie, on tend les jambes. On va plier la jambe gauche, comme ceci. Ma main droite va venir chercher le genou gauche. Et je vais descendre mon genou gauche vers le côté droit. Mon bras gauche est à l'opposé au sol. Et on descend tout doucement. Ok. On change. Je prends. Je lève mon genou gauche. Ma main gauche va chercher le genou. Ma main est opposée au sol et je vais descendre tranquillement. Ok. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc c'était la 8e séance. Bien, seconde. Bravo à tous. Donc on est monté crescendo, vous avez vu. Hein. Échauffement, on a échauffé le bas du corps. Premier circuit qui est basé aussi, on va dire, d'un premier tour d'échauffement, on va dire en profondeur. Donc on est monté crescendo. Le deuxième circuit, il était un peu plus compliqué. Il brûlait au niveau des jambes, il brûlait au niveau du cardio. Et on a fini par les burpees. Le burpees, ça permet de travailler toutes les parties du corps et aussi le mental. Donc ceux qui me disent, ouais, c'était facile, tous les exercices de burpees, bah, c'est soit qu'il ne les a pas fait correctement, soit qu'il les a fait trop doucement. Et voilà, on a tous été dans un état, voilà, où le cardio il est monté très très haut. Et voilà, il va redescendre tranquillement. Je vous félicite, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça fait plaisir. Continuez de diffuser, partager, liker s'il vous plaît. On a de plus en plus de likes. Donc rendez-vous demain, même heure, 17h55, prise d'antenne, 18h début des séances. Demain, bah, vous verrez le thème, on va vous la fixer dans la journée de demain. Pensez à bien vous hydrater. Pour récupérer plus vite, si vous avez un jardin, allez marcher un peu dans votre jardin. Sinon, juste devant chez vous, vous n'avez pas besoin de partir à 1 km, juste devant chez vous, il vous faut 20-30 mètres, et vous faites un petit circuit en marchant. Voilà. Prenez l'air, inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche, d'accord, pour bien récupérer. Continuez à vous étirer. Pour ceux qui ont des grosses courbatures, prenez un petit bain, vous mettez du doliprane dedans. Voilà, ça permet de récupérer un petit peu plus vite. Sinon, vous prenez le petit doliprane et surtout, pensez à vous hydrater. Bye bye, merci Florence, merci Léane, salut tout le monde. Bye tout le monde. Bye bye.